Salut les amis de Fred Damaser et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous le voyez, je suis à la rivière souterraine de la Bouiche et je vais réaliser cette vidéo. Je serai accompagné d'amis, mais bon, je ne sais pas comment ça marche réellement. Je vois que c'est sur barque, donc on va regarder ça avec grand intérêt. Voilà les amis. Allez, on y va, là, je suis avec un groupe. Ah. Bon, avance, bon, avance. Allez. On descend. Attention, veuillez descendre tous les escaliers jusqu'à la grille du bas. Allez, on continue à descendre. J'allume la lumière. Ah, ça descend, les amis. Je vous garantis, ça descend. Continuez à descendre. Ça tourne à droite, face. On arrive petit à petit à la grotte. J'entends pas l'eau. Voilà. On sent comme c'est beau, les amis. Là, je suppose que c'est les bancs pour attendre le guide ou le bateau. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. La bonne pierre, comme j'aime. Avant d'arriver à la rivière et avant d'embarquer, on va s'arrêter dans une salle juste après l'escalier suivant. Vous pouvez me suivre, mais attention, ça glisse encore. Pas ça en face derrière.
vous pourrez prendre des photos bientôt, mais pas de suite. Quand il faisait partie de l'équipe d'explorateurs de 1935, c'est ceux qui ont découvert la partie haute de la rivière souterraine avec la cascade, et c'est celle par laquelle on va commencer la visite. Et lui, en explorant les environs, il est arrivé jusqu'ici. Alors, pendant la visite, vous pourrez prendre des photos et des vidéos, mais sans flash, s'il vous plaît. Voilà. Et dans cette belle salle, on va parler de la formation des concrétions. Les plus connues, ce sont les stalactites qui tombent et les stalagmites qui montent. Les stalactites là-haut, elles ont commencé comme ceci, regardez au-dessus de vous, sous forme de petites pailles fines et creuses à l'intérieur, qui se forment grâce à l'eau de pluie. Quand l'eau tombe à la surface, elle va traverser la terre et s'acidifie. Après, elle arrive sur la couche calcaire qui compose toute la grotte. Le calcaire, au contact de cette eau acide, il se dissout. C'est ce qui permet à l'eau de passer au travers de la roche et de ressortir ici à l'intérieur. Quand les gouttes d'eau ressortent dans la grotte contre la paroi, le calcaire dissout qu'elles ont ramené au contact de l'air, il va se cristalliser. Il va former du cristal de calcaire qu'on appelle aussi la calcite. D'abord, sous forme d'anneau. Anneau après anneau, ils vont former ces tubes. Et la rive qui se bouche. Un petit grain de pollen venu de la surface par exemple. À ce moment-là, ils vont grossir de plus en plus jusqu'à former les stalactites. Puis l'eau poursuit son chemin jusqu'à la pointe, elle va tomber au sol, éventuellement déposer un peu de calcite au sol qui va faire monter une stalagmite. Et avec le temps, les deux peuvent se rejoindre, elles vont alors former une colonne, comme celle qui est en face ici. Et pour vous donner un ordre d'idée, le rythme de croissance de ces concrétions, il est en gros de 1 mm à 2 cm par siècle. Donc il y en a pour des milliers d'années. Sachant que la grotte a 900 000 ans à peu près, ça fait 900 000 ans que l'eau creuse ses galeries, d'abord sous forme de rivière souterraine, donc là on est sur un ancien niveau de la rivière, depuis elle est descendue encore plus bas, et elle a laissé ses espaces libres pour la formation des concrétions. Avez-vous des questions jusqu'ici ? Bien, merci. Très bien. Alors on va pouvoir embarquer. Allez, je vous rallume. Et on va embarquer, c'est par ici. C'est le bruit du bateau. On
On est parti. Alors surtout gardez bien vos mains à l'intérieur de la barque. Si vous y tenez, c'est mieux, ça vous évitera de vous les faire écraser. Et on va commencer par les parties les plus hautes. Donc pour l'instant au niveau de la tête, ça va. On va aller voir la cascade souterraine. On va faire demi-tour et c'est en descendant la rivière qu'il y aura des parties plus étroites où il faudra être plus vigilant. Alors si je comprends bien, vous faites votre petite muscu tout en faisant faire la musique. Exactement. Pas besoin de faire le sport à côté. En face, on commence avec le gâteau d'anniversaire. Le gâteau à la broche, si vous préférez. Ah. En face à droite, vous avez le sapin de Noël enneigé. Alors actuellement, on est à 50 mètres de profondeur sous la surface. À une telle profondeur, les températures ne changent pas. L'air est à 13 degrés toute l'année et l'eau à 11 degrés. Là-bas, dans la lumière, vous avez le petit Bouddha en méditation. Au-dessus là-haut, la dent de requin. Sur la droite par ici. Alors à droite là vous avez une belle plage de sable et elle s'est formée naturellement au fil des crues. Il pleut beaucoup à l'extérieur, l'eau monte ici à l'intérieur de la grotte et ramène avec elle du sable et de la terre. Au début, ils sont en suspension dans l'eau et quand l'eau redescend, il y en a une partie qui se dépose sur les côtés. Face à gauche, vous avez la sorcière. Elle est de profil. Est-ce que vous la voyez? Avec sa tête à gauche et son dos bossu derrière. Sous la tête, elle tient son panier de pommes. Elle a même une jambe de bois ici. Thank you.
À droite, là, vous avez le décapsuleur géant. Et juste après, une belle draperie, c'est la peau de chameau. Les draperies, elles se forment quand l'eau, au lieu de tomber directement du plafond à la verticale, elle ruisselle contre la paroi et du coup, le dépôt de calcite se fait au bord. Sur la gauche, là-bas, vous allez voir le disque. Il est alambique et est soutenu par une colonne. Et à droite, au-dessus de vous, là-haut, vous avez le coq. D'ici, on entend la cascade, mais avant, on va traverser les Champs-Élysées. En fait, le défilé le plus long de la droite. Sur la gauche, là, vous avez le village des Schtroumpfs. Si vous regardez bien, vous allez y voir quelques petits habitants. Regardez ces rochers là-haut, ils sont tombés du plafond, ils sont restés coincés entre les deux parois, ils n'ont plus bougé depuis la semaine dernière. On a eu de la chance. Alors non, en fait, quand cette partie a été découverte, en 1935, ils étaient déjà comme ça. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils sont tombés. Et j'espère qu'ils ne risqueront pas. Normalement, non. Normalement, on vous dit, hein. Et en tombant, ils ont libéré un grand espace en hauteur, qui s'appelle une cathédrale. Elle remonte à 34 mètres de haut. On va arriver à la cascade. Thank you.
nos petits amis à droite. Ah oui, mètres de fond, c'est là où l'eau est la plus profonde. Sinon, sur l'ensemble de la rivière, il y a entre 1 mètre et 1,50 mètre de profondeur grâce aux barrages qui retiennent assez d'eau pour les barres. Et on peut suivre la rivière encore 1 km au-dessus de la cascade. Et cette partie-là, elle est réservée aux spéléologues confirmés. Il y a des endroits où il faut même plonger dans l'eau pour passer sous la roche et ressortir de l'autre côté. Ça s'appelle un siphon. Et au bout de ce kilomètre, il y a un dernier siphon que personne n'a réussi à traverser pour l'instant. C'est donc le siphon terminal. Le dernier à avoir essayé, c'est un spéléo-plongeur professionnel en 2015. Il est descendu dans ce siphon jusqu'à 40 mètres de profondeur sur 100 mètres de long. Au bout, le passage était trop étroit. Il a donc dû faire demi-tour. Et pour avoir une idée d'où vient l'eau, il y a des colorants qui ont été mis en avant de la rivière. Et de cette manière, on a trouvé un bassin qui alimente la rivière au niveau de la Bastide de Sierre. C'est à une dizaine de kilomètres d'ici. La rivière est donc assez étendue. Pour l'instant, on connaît presque 4 km de galeries déjà explorées et nous allons parcourir 1,5 km sur ces 4 km. C'est moi. Wow, enchanté. Et pareillement. Merci. Enchanté, Fred de Mazère. Merci. Regardez en haut à gauche, vous avez la licorne. Oh. Sa tête qui sort de la paroi. Ça y est, tu m'en sens bien. Il a son oiseau. Regarde, c'est l'oiseau là. C'est bien fait. Hein. Et elle surveille la sorcière qui est juste en face. Au niveau de la vie dans l'eau, il n'y a pas de poisson. Il y a une espèce qui s'est adaptée. Ce sont les calotritons. Donc quelques sortes de gros tritons, comme des lézardons, qu'on trouve habituellement en montagne, parce qu'ils aiment l'eau plutôt froide. Ici, ils se sont adaptés et ils se nourrissent de micro-organismes et de vers dans le sable. Mais c'est assez difficile d'en voir, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais plutôt discrets. Ils ont gardé leur couleur naturelle de l'extérieur, ils sont plutôt noirs ou marron. C'est assez difficile de les distinguer au fond de l'eau. Et sur la gauche ici, casse-tête sur tout ce qui sont à gauche.
Là, en face à droite, vous avez cette petite cabane éclairée, c'est l'hôtel des guides. Ça peut dépanner les saisonniers qui viennent travailler ici. Ils n'ont pas de logement dans le coin. Ils ont pas moins. Il est gratuit et offert. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression tout frais payé. Il y a des chauves-souris dans la grotte aussi, mais la journée, elles dorment, donc on ne les voit pas forcément. Elles se réveillent plutôt le soir et elles sortent de la grotte pour se nourrir de moustiques en particulier. Point de départ, et maintenant on continue, on descend la rivière, on est dans le sens du courant, et nous allons en direction de l'entrée naturelle. C'est par là que vous sortirez. Et de ce côté-là, il n'y aura pas d'escalier, c'est un chemin de terre dans les bois qui vous ramènera au parking. La visite, elle se fait dans les deux sens. On risque donc de croiser une ou plusieurs barques qui font la visite dans l'autre sens. Et ici, on arrive au port de l'entrée artificielle. Et c'est aussi le chantier naval pour cette partie de la visite. Parce que les barques, on ne peut pas les amener toutes faites. Elles sont donc amenées en pièces détachées depuis l'entrée naturelle et assemblées sur ce quai avant d'être mises à l'eau. Souterrain, il passe sous la roche. Donc même si on ne le voit pas, on peut l'entendre. Et c'est un point de repère pour la surface. On est ici sous le centre d'accueil, donc on change de côté, on passe côté parking. Thank you.
la lumière, vous avez comme un gros chat assis de profil. C'est vrai, vous voyez. Ah oui. Deux barrages. À chaque fois, on va changer de barque parce qu'on va les traverser à pied. Là, on va arriver au premier barrage. Pensez à laisser la tête dans le virage. Thank you.
faut en mettre en été. J'arrive. Hein. Merci bien. Alors attention sur la droite, par ici. Ce passage va être assez court, on va vite arriver au deuxième barrage. Sur la gauche, là, vous avez la forme d'un mammouth, mais il est de dos. Vous avez l'arrière d'abord, l'épaule sur le côté. Et la tête est devant, cachée sous ses longs poils laineux. C'est en fait une cascade pétrifiée. Attention, ce passage est assez étroit. Au bord de l'eau qui ressemble à une tête de loup. Vous allez voir devant, il est assez tranchant. C'est l'eau qui l'a écrasé. On appelle ça une lave d'érosion. Allô ? J'arrive. La grotte a été découverte en 1908 du côté de l'entrée naturelle. Un an après, une expédition plus importante arrive jusqu'au mammouth, mais ils ne vont pas plus loin à cause d'une crue. Comme le monter, ils ont dû faire demi-tour et ils ont eu pas mal de soucis. Du coup, même s'ils sont tous sortis vivants de la grotte, ils n'ont pas voulu revenir. C'est pour cette raison que la partie haute n'a été découverte qu'en 1935. C'est cette découverte qui va donner envie de faire des aménagements dans la grotte pour accueillir le public. Les premiers visiteurs vont entrer ici en 1938. On va laisser passer ceux qui embarquent. On arrive au deuxième barrage. Et ici, vous avez un exemple de siphon, vous allez voir. L'eau, elle passe sous la roche, en face, et elle ressort de l'autre côté. Alors attendez, avant de débarquer. Y aller et marcher jusqu'au prochain panneau stop.
travaille si fort, évidemment. Allez, on est reparti. Et on a fini pour les changements de barque. Si tout va bien, c'est celle-là qui devrait nous amener à la sortie. On va avoir quelques petites aventures, mais ça devrait bien se passer. Pour commencer, on est dans la partie la plus basse. On est à 60 mètres de profondeur sous la surface maintenant. Et c'est dans cette partie-là que les plafonds sont les plus bas. Il va donc falloir être un peu plus vigilant.
droite par ici. Depuis 1938, pour les visiteurs, il y a le câble installé et l'éclairage électrique. Mais avant, les premiers explorateurs, ils n'avaient pas d'électricité pour s'éclairer. Ils devaient se contenter de simples bougies et de lampes à acétylène. C'était juste une flamme qui dépassait sans plus de protection. Il fallait donc qu'ils fassent attention aux éclaboussures, sinon ils pouvaient se retrouver dans le noir le temps de les rallumer. C'est ce qui va bientôt nous arriver. On va traverser le passage noir pour se mettre à la place des explorateurs quand ils n'avaient plus de lumière. Attention sur la gauche, par ici. Et nous y sommes. Alors, comme on ne va rien y voir, gardez bien la tête baissée, restez bien vers le milieu de la barque. Vous êtes prêts? Oui. 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 Allez, on y va. On va essayer de ne pas se perdre. Ne vous inquiétez pas, il y en a juste pour une demi-heure. Lumière aussi. Oh, je sens le sang. On revient à la lumière. Allô? J'arrive. Attention, à droite, en entrant dans la galerie suivante. Là, on entre dans la galerie des voûtes basses. Pourtant, elle a été agrandie à la dynamite pour permettre le passage des barques pour les visiteurs. Devant les explorateurs passent au-dessus à pied dans une galerie sèche qui est un ancien niveau de la rivière. Alors attention, en sortant de cette galerie, c'est très bas. Gardez la tête bien baissée. Ici. Thank you.
Maintenant, on entend le bruit d'un dernier barrage. Celui-là, on ne va pas le traverser. On va quitter la rivière de la Biche avant. On va tourner à gauche sur le Fajal. C'est un autre cours d'eau. C'est un affluent de la rivière de la Biche et c'est lui qui va nous amener à la sortie. La rivière de la Biche, elle continue 500 mètres après ce barrage et puis elle ressort à l'extérieur pour aller rejoindre l'Ariège. Alors, on tourne à gauche. Mais ça me refait là, tout d'un coup. Alors, sans plus de courant d'air, parce qu'on s'approche de la sortie. Et là, à droite, vous avez ce rocher qui sort un peu de l'eau, c'est le crocodile. De l'autre côté du crocodile, dans cette galerie, on a retrouvé des vestiges préhistoriques. À l'époque, ils pouvaient venir à pied depuis l'entrée naturelle jusqu'ici. Parce que le Fajal, à l'origine, c'est un ruisseau, vous le verrez à la sortie. Et on approche de l'entrée naturelle, vous avez déjà le port en vue, et la sortie elle est juste après le virage. Si vous avez des dernières questions, c'est donc le moment, avant la fin de la visite. La rivière fait combien de long? Alors le parcours en barque il fait 1,5 km, mais la rivière, de ce qu'on en sait, elle est plus longue que ça. Elle fait une douzaine de kilomètres, on va dire. On arrive à la sortie.
Attendez bien que j'ai stoppé la barque pour descendre. Et de toute façon, je vais descendre aussi pour vous ouvrir. Et voilà, vous pouvez débarquer. Merci beaucoup. Et vous avez le chemin de terre à droite comme promis. À gauche, il y a des escaliers, c'est un raccourci. Donc, vous avez le choix. Dans les deux cas, vous arriverez en haut, en face du parking. Je vous libère et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Du coup, j'irai voir. Ah oui, il faut voir. Voilà, les amis, c'est fini. Je suis en train de remonter le chemin. Bon, ça montait, ça fait pas semblant. Vous avez le choix donc entre les escaliers ou le chemin. J'ai opté avec les amis de prendre le chemin. J'espère que ça vous a plu. J'ai filmé comme j'ai pu, il fait nuit. Le guide m'avait demandé de ne pas les bouillir, donc j'étais vraiment au minimum pour le filmer. Voilà. Allez, sur ce, les amis, si je vous propose de le faire, c'est que vraiment ça m'a plu. Donc je vous incite à le faire. Et pour information, je vous demande, si vous le souhaitez, bien entendu, m'encourager avec un abonnement, avec la cloche de notification et bien sûr le pouce bleu qui fait du bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt. Merci les amis. Bye. Ciao.